Il s'agit d'une nouvelle qui assommera probablement Zinedine Zidane. Actuellement sans contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021, le technicien français demeure toujours dans les projets du club madrilène. Cette information pourrait ainsi constituer une source de préoccupation pour Zidane, qui aura à prendre en considération la possibilité de se voir éventuellement remplacé par un autre entraîneur dans le cadre d'un éventuel retour au sein de l'institution madrilène. Cependant, il semble que pour l'instant, Carlo Ancelotti n'ait pas l'intention de quitter son poste de sitôt. Cette situation pourrait effectivement retarder la perspective d'un éventuel retour de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe. Effectivement, c'est à l'issue d'une sortie médiatique, suite au succès éclatant du club madrilène ce dimanche 2 avril, que Carlo Ancelotti s'est prononcé sur la question de son avenir. Le technicien italien a tenu à clarifier sa position en déclarant « Je tiens à préciser que je ne souhaite pas aborder ce sujet au cours des deux prochains mois. Je suis résolument concentré sur la saison en cours, avec sérénité et détermination, dans l'optique de remplir mon contrat jusqu'en 2024. » Lors de sa prise de parole devant les journalistes, l'entraîneur italien a ajouté « C'est tout. Si le Real Madrid est satisfait de mes performances, je suis prêt à rester jusqu'en 2034. » Cette annonce risque indéniablement de porter un coup dur à l'ancien champion tricolore. Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti sont deux figures emblématiques du monde du football. Zidane, ancien joueur professionnel français, est notamment connu pour avoir remporté la Coupe du Monde 1998 avec l'équipe de France et pour ses exploits avec le Real Madrid, en tant que joueur puis entraîneur. Ancelotti, quant à lui, est un ancien joueur professionnel italien et un entraîneur réputé, qui a notamment dirigé de grands clubs tels que le Milan et le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Les deux hommes ont également travaillé ensemble, Ancelotti ayant été l'entraîneur de Zidane lors de sa première saison au Real Madrid en 2013 et 2014, avant de le remplacer comme entraîneur principal du club en 2021.